Saint-Pierre-d'Aulnay en Saintonge a été construit dans le milieu du XIIe siècle en plein âge roman. L'édifice frappe d'emblée par son décor sculpté d'une abondance rarement égalée à l'époque. Pas moins de 4 grandes baies, merveilleusement ornées. D'une multitude de chapiteaux et de 2 grands portails abondamment sculptés. Déjà en faisant le tour de l'abside, le visiteur est frappé par la délicatesse ou l'invention des éléments décoratifs. Délicatesse, ces rinceaux et ces frises qui semblent empruntés aux évangélières des moines irlandais qui, pendant plus d'un siècle, ont peint avec amour les mêmes dessins. Invention. Les petits cubes de pierre appelés corbeaux, décorés de 1000 figures, monstres, lions, tout un bestiaire qui enchante ou qui fait peur. L'étonnante richesse d'Aulnay s'explique sans doute par sa position géographique. Ne servait-elle pas de relais pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle? Les pèlerins qui venaient nombreux en ces lieux ne manquaient pas d'offrir leur obol. Un clerc érudit a fait le reste, guidant la main des sculpteurs. Les motifs décoratifs sont empruntés aussi bien à l'architecture antique qu'à l'imaginaire irlandais. Pour les connaître, il fallait nécessairement une grande culture. Seuls les moines ou les prêtres la possédaient. Mais détaillons d'un peu plus près ce trésor. Pénétrant par le côté ouest de l'édifice, nous découvrons le portail aux formes amples et arrondies. Sur les voussures, 4 sujets sont développés, tous en rapport avec la vie future de l'homme. La première voussure est l'image de l'éternité. Elle nous révèle le monde des anges qui viennent adorer l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, ainsi que le dénommait déjà Jean-Baptiste lorsqu'il disait « Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Deuxième voussure, elle met en scène le combat des vertus contre les vices. Les vertus ont l'apparence de femmes en habits militaires. Elles piétinent des petits personnages qui figurent les vices. L'identification de chaque sujet est assurée par de nombreuses inscriptions latines. Méditation non plus sur les fins dernières, mais sur le combat moral nécessaire pour y parvenir. Veillez et priez car vous ne savez pas l'heure. C'est le thème de la troisième voussure. Les vierges sont invitées à veiller en attendant l'époux qui n'est autre que le Christ. Pour ce faire, les vierges sages ont rempli d'huile leurs lampes. Elles sont appelées à la droite de l'époux. Mais les vierges folles n'ont pas eu cette sage précaution. Leur lampe retournée est vide. Aussi ne sont-elles pas admises aux noces. La réflexion ne se veut pas seulement morale, mais mystique. Dans la voussure supérieure sont figurés les signes du zodiaque, poisson, bélier, gémeaux et cancer, alternant avec les travaux et les jours, parmi lesquels on distingue la taille de la vigne ou la moisson du blé. Ainsi se trouve conciliée l'humilité des travaux du paysan et la splendeur des étoiles symbolisées par le zodiaque. Le message chrétien se veut universel. Les 2 figures qui encadrent le portail sont aussi symboliques. À droite, le Christ revient en toute sa gloire. À gauche, Saint-Pierre est crucifié la tête en bas. Ces bourreaux sont représentés par 2 petits personnages. L'artiste roman ne cherche pas à donner une représentation réaliste, mais symbolique. Mais entrons dans l'église où nous attend le Père Sureau, curé du lieu.
La joie pour moi d'être curé d'Aulnay, c'est de bénéficier de ce cadre exceptionnel pour les célébrations liturgiques, pour célébrer les temps forts de l'existence de la vie des gens, les moments heureux comme les moments plus difficiles. Joie aussi de pouvoir bénéficier d'un message inscrit dans la pierre, une catéchèse sur le sens de la vie, une catéchèse sur Dieu, sur le Christ. Et avec le nombre important de visiteurs et de pèlerins qui s'arrêtent dans cette église, j'ai bien conscience que ce message il est offert plus largement qu'à notre petite communauté chrétienne, mais qu'il est offert à tous ceux qui s'y arrêtent et qui, en regardant les chapiteaux, en étant sensibles à cette église qui est au milieu d'un cimetière, tous ceux-là peuvent réentendre ce message de foi et de prière que nous ont transmis ceux qui ont bâti ce bel édifice. La nef aux conventions simples et austères recèle elle aussi des trésors sculptés. Ils sont cachés dans la pénombre, en haut des colonnes, sur les chapiteaux, comme s'ils étaient de trop dans un édifice tourné vers l'éternité. Ici, les feuilles d'acanthe stylisées alternent avec les têtes humaines affrontées. Ailleurs, ce sont des curieux éléphants qui sont représentés. Et émergeant de tout ce chaos, quelques scènes de l'Ancien Testament, le meurtre d'Abel par Caïn, ou encore l'histoire de Samson. Ainsi, l'artiste roman, encore mal guéri des peurs de l'an 1000, privilégie des scènes de terreur où s'abreuvent ses angoisses. À la sortie de l'édifice, nous attend une autre surprise. Un portail entièrement sculpté, encore plus majestueux et souverain que le portail occidental. La leçon qui nous est donnée se développe ici encore sur quatre registres. Le premier registre est orné de six êtres hybrides enchâssés dans des décorations végétales. Ces monstres des griffons et des lions à tête humaine sont dotés de queues, se transformant en rinceaux. Quelle signification ont ces étranges créatures? Peut-être est-ce là encore une réminiscence des monstres décorant les fameux évangéliaires irlandais. La deuxième voussure présente des hommes tenant des livres et des récipients. Leurs nimbes attestent de leur qualité de saints. Sans doute ce sont les apôtres annonçant l'évangile au monde entier. Les personnages figurant sur la troisième voussure sont plus facilement identifiables. Les instruments de musique et les récipients qu'ils tiennent, ainsi que les couronnes qu'ils portent, les désignent comme les vieillards de l'Apocalypse. Ils entourent Dieu constamment et le glorifient. Ainsi, du monde de l'animalité au monde de l'éternité, le sculpteur roman accomplit tout un cycle. La dernière voussure est plus difficile à comprendre, avec ses monstres et ses personnages grotesques. On y voit un dragon ou une sirène, symbole de la tentation. Et l'âne jouant de la lyre, symbole de la bêtise. L'image de l'âne est si prégnante qu'elle revient à plusieurs reprises. Ici, l'âne revêtu d'une chasuble et disant sa messe. Est-ce là une attaque insidieuse contre le cléricalisme? Ainsi, l'artiste roman a une part de lui-même tournée vers l'éternité, l'autre enfoncée dans la trivialité, à la grande indignation d'un saint Bernard. Les voussures du portail, qui se lisent de gauche à droite, peuvent se lire aussi de bas en haut. Dans ce cas, elles prennent une nouvelle signification. Les six animaux du bas représentent les six jours de la création. Les 24 apôtres au-dessus évoquent les 24 heures de la journée. Les 24 vieillards, qui sont en fait 31, rappellent les 31 jours du mois. Ainsi, le portail sud d'Aulnay devient un gigantesque calendrier. En fait, le génie roman s'est toujours enchanté de ses doubles interprétations et de ses symboles,
mais ici ils prennent une signification toute particulière. La richesse des sculptures et leur côté savoureux font de l'église d'Aulnay la première église de Saint-Onge.